Et salut tout le monde, salut YouTube, nous sommes repartis pour du Deathloop. Et nous arrivons, nous commençons notre deuxième boucle, brise la boucle. Après être tombé de la falaise. Le même matin. Tu m'as manqué. La même putain d'émission. Le retireur va prendre bien soin de vous. Voici le premier morceau de mon premier album. Comme le temps passe. Ça sera toujours la même chose. Mais par contre, du coup, l'amélioration, on nous l'a filé dès le début et on sait toujours pas. Breloque personnel exemplaire. Est-ce qu'on peut l'équiper cette merde ou toujours pas? Est-ce qu'ils nous le diront? Si tu l'as noté sur Black Reef. Ok. Donc la fameuse carte postale. Putain de sale blague. Up down. Bon. 52-12. Ok. C'est parti pour le brisage de boucle. Tu ne briseras jamais, jamais la boucle. C'est totalement impossible. Tu veux que je la brise? Tu veux pas que je la brise? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu sois... Super! C'est une matinée ou deux au top! J'en ai ma claque de toi! Mais du coup, est-ce que je peux aller là? Bordel! Ça se termine aujourd'hui! Ah, je peux, hein. Up down! C'est évident! Ah, ils me l'ont écrit, ils sont trop sympas. Trop mignon! Trouver mon immeuble à Up down. Et on est, on est, on. D'apprendre que Colt nous a trahis. On sera en alerte maximale et les loisirs seront restreints jusqu'à sa mort. Alors tuez-le vite, d'accord? Et n'oubliez pas, profitez bien de votre journée. Reloque d'armes grossières. Des grenades. Strelak. Ouais. La charge de Strelak est un explosif versatile offrant trois configurations. Grenade, mine de proximité et mine laser. Équipez vos charges et passez d'un mode à l'autre en appuyant sur G ou maintenez G pour sélectionner l'un des modes suivants. Appuyez sur machin pour lancer ou maintenez pour déclencher puis relâcher pour lancer. Bien pour lancer vers une surface ou la plaquer. Appuyez sur machin pour placer une charge silencieuse pour un piège discret. J'ai. Ok. Ça c'est grenade normale, ça c'est grenade je sais pas, et ça c'est grenade qui s'accroche. Ouais c'est ça. Ça c'est quoi? C'est genre une mine, non? Non, ça c'est la mine. Charge Trelak. Mine de proximité, ah oui si, mine de proximité vers une surface pour la placer. Et l'autre c'est mine laser, une charge silencieuse pour un piège discret. Ok. Ok ok. Du coup, j'ai encore eu une breloque ou je sais pas quoi, mais pour l'instant, on sait toujours pas comment les équiper. Pourquoi on mettrait ça dans... Wow, putain! Wow, oh, ok, c'est normal que... Ah, il fallait peut-être ça. Oh, c'est froid et bizarre. Reprise, cette mystérieuse pièce de métal sans vous appeler... Sans vous appartenir, pardon. Le modèle vous confère la capacité de reprise permettant de revenir deux fois après avoir trouvé la mort. Si vous mourrez une troisième fois, la boucle en cours prendra fin. Vous réveillerez au matin de la boucle suivante. Dépourvu de tous les équipements collectés de la boucle précédente. Après être revenu à la vie grâce à une reprise, vous demeurez invisible quelques secondes. Profitez-en pour vous mettre à l'abri. Le nombre de résurrections prévues pour la reprise est remis à zéro lors du voyage entre quartiers. Ok. J'y vais. Ok. Point du jour. Vous possédez un flingue, une poignée de grenade et une adresse dans vos coins appelés Updam. Dans un coin appelé Updam. Allez donc y trouver des réponses. D'accord. Je sais toujours pas comment utiliser mes breloques là. Ok, donc là on commence le premier niveau quoi. Vous possédez un flingue, nana, vous avez survécu. Enfin, c'était...
C'était l'introduction. Trouver un mon immeuble à Abdam. Mon courrier arrive à une adresse à Abdam. J'ai le droit d'ouvrir ma boîte aux lettres, même si j'ignore qui je suis, non? Papapapam. Breloque récupéré. Ah, ou alors c'est entre deux runs que je peux y équiper, ça doit être ça. Je crois que c'est ce qu'il me disait au début. Bienvenue dans Deathloop. Voici quelques conseils pour bien démarrer. Les pistes enregistrent les informations découvertes qui permettent à Cole de briser la boucle et de s'échapper de Black Reef. Vous retrouverez ici les pistes que vous avez découvertes. Placez le curseur et appuyez sur machin pour sélectionner ceci. Trouvez mon immeuble à Abdam. Votre piste actuelle s'appelle le jour le plus long. Vous l'utiliserez comme d'autres pistes du même genre au fil de Deathloop pour vous guider et suivre votre progression. Appuyez sur Escape pour retourner aux détails de la mission. C'est dangereux par ici, il faut vous équiper des meilleurs objets et armes. Sélectionnez ceci avec le curseur pour examiner votre équipement. Les objets téléchargés seront disponibles après avoir terminé le jour le plus long. Rien téléchargé du tout. Hein. Les emplacements sont dédiés aux modules d'étranges objets fournissant des aptitudes puissantes et hors du commun. Vous possédez actuellement Reprise, le module personnel de Cole qui lui donne une deuxième et troisième chance lorsqu'il meurt. Tuez des visionnaires et prenez leurs modules. Vous pouvez les équiper et les améliorer ici. Les breloques sont de petits appareils pouvant vous donner de gros avantages. Certaines ajoutent de tout nouveaux aspects à vos aptitudes de base. Vous avez déjà trouvé une breloque, utilisez le curseur pour sélectionner l'emplacement de celui-ci. Sélectionnez cette breloque pour l'équiper. Ce petit morceau de métal vous permettra d'effectuer des doubles sauts. Lorsqu'elle est équipée, appuyez sur une deuxième fois sur espace après avoir sauté pour rebondir dans les airs comme un super héros. Montez sur ressort, faites un double saut dans les airs, un grand classique. Appuyez sur échappe. Lorsque vous avez récupéré plus d'armes, vous pourrez les choisir ici. De nombreuses breloques modifient vos armes. Sélectionnez votre PMIF 10 avec le curseur et appuyez sur droit pour modifier avec une breloque. Des armes de meilleure qualité peuvent accueillir plus de breloques, alors ouvrez l'œil pour en récupérer. Sélectionnez l'emplacement de votre arme. Absorbeur de choc réduit légèrement le recul. Allez-y, sélectionnez cette breloque. Vous êtes armé, vous êtes équipé, vous êtes prêt à briser des boucles. Enfin, normalement. Sélectionnez maintenant ceci pour aller Abdam. Mais moi, je veux plus voir le menu, là. Oh, les tutoriels dans les jeux, là. Bon, ok. Donc, on sait, ouais. Je n'avais pas compris que... Que les breloques et tout, ça s'équipait entre deux missions. Mais oui, ça avait été dit, il me semble. C'est juste moi qui suis pas correctement. Ok. Donc du coup, j'imagine qu'il faut réussir à aller à chaque fois à la fin du niveau pour tout valider. Place d'Orsay, premier étage. Place d'Orsay, premier étage. Place d'Orsay. C'est l'heure de faire quelque chose de différent et tu décides d'aller à Abdam. Comment tu sais où je suis? T'as des caméras ou la zone. Ta position. T'as toujours l'air si surpris, comme si je ne savais pas exactement où t'allais. Je sais même pas moi-même où je vais. La place d'Orsay est juste en bas de la rue côté falaise. Laisse-moi deviner, premier étage. On dirait que tu attends une invitation. Pour que tu me remontres ta tireuse à bière. Un autre mois. Oui, des arrières. La mort est morte. La mort est morte ici. Ta stupide veste. Je l'aime cette veste. Et quoi, il y a deux chemins différents là. La mort est morte ici. Du système des tunnels. De dame, absolument toute l'île est reliée par ces tunnels. On est là, comme dame. Ok. Des indices d'un autre moi. Surveille tes arrières. Votre propre style. Les ennemis et obstacles de Black Reef peuvent être éliminés de nombreuses manières. Combat, esquive, furtivité et ruse constituent tout autant d'approches possibles. Attendez la fin d'une conversation pour isoler vos ennemis et éventuellement glaner de nouvelles informations. Installez des pièges et faites du bruit pour faire tomber vos cibles dedans. Ou engagez-vous dans un combat pur et simple, mais attendez-vous à affronter des possibles renforts. Place d'Orsay. Individus. Essayez-en une aujourd'hui. Ça fait très Bioshock.
breloque là-bas. Il va y avoir un autre moyen. Mais dingo chérie, vous êtes qu'à un souffle de l'endroit le plus magique de ce caillou. C'est quoi ce truc? Cartouche de fusil à pompe. Et ça là. Oh oh. Oh oh. J'ai fait un peu de bruit, je crois. Il va y avoir un autre moyen. La crif t'appartient certain. Leur merdier ton leurre. C'est un génie, ouais. Tu sais que plus avant. Mais y'a quelqu'un là. Il est venu voir mon quand il parle, c'est le futur. Classe ! Majeur d'homme électrique, c'est cool. Il prédit aussi la chasse aux impôts. Attends, il paraît qu'il peut ouvrir les secrets. Eh. Bien. Est-ce que ta tante fait ça? Eh, pas de faire foutre. Les bouteilles vous permettent de faire du bruit. Appuyez sur F pour en saisir une, F pour la lâcher et machin pour la lancer. Ok, ça devait être eux qui parlaient. Là-bas, il y a un code. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Je sais pas ce que c'est des trucs éthérés, mais pour l'instant on en a aucune idée de à quoi ça sert. Gros calibre. Il est où mon sniper? Where is my sniping? My sniping sniper. J'imagine qu'il y a des dégâts de chute dans le jeu quand même. Il y avait un mec tout à l'heure là, il est où? Ah bah il y a aussi un truc à code. Oh, c'est pas du tout ça que je voulais faire. OMG. Ah d'accord, donc en rechargeant ça casse la bouteille. Ok, je voulais lancer la bouteille. J'ai fait clic droit. Sauf qu'en fait clic droit, ça utilise ton arme quand t'as une bouteille à la main. Alors que normalement c'est pour viser. C'est pas très très intelligent. Enfin c'est pas très intuitif, pardon. C'est ça le mot que je voulais utiliser plutôt. Est-ce qu'on voit si on a des dégâts de chute? Au moins comme ça ce sera fixé. Ok, il y a des dégâts de chute. Quand même plutôt cher. Fossoyeur Vopats. Utilisez commande 2, 3, 4 pour équiper des armes à feu. Naviguer avec machin pour rapidement les armes. Pour parcourir rapidement les armes. Maintenez machin pour faire apparaître les équipements principaux. Sélectionnez l'arme sautée. Et relâchez machin pour équiper. Ouais, c'est un fusil à pompe. Microphone. Hello? Y a quelqu'un? Ah, on sent unique. Dis, tu veux un mot de passe, c'est ça? C'est pour le karaoké. Ok. Il faut un mot de passe. Pas du tout où il est passé le mec. Hein. The entry military area. Waouh. Quelle est cette chose? C'est ça qu'il faut détruire? C'est ça notre objectif? Oh. Est-ce que je peux monter? Apparemment non. Dommage. Une feuille dans l'avant-garde.
Hey yo frère Brodsky, elle et moi avons pris le van du bureau des archives afin de bouger des trucs pour Franck le baratineur. On le ramène cet après-midi, promis. Je laisserai la porte du garage un chouïa ouverte au cas où. Quelqu'un a emprunté un van du programme Aéon dans le bureau des archives pour lui faire quelque chose pour Franck. Un éternaliste laissera la porte du garage du bureau des archives ouverte dans l'après-midi. Et on peut voir quand est-ce qu'on est là ? J'ai l'impression. Salutations à la prise. Avoir mal d'encore ou tête. Avoir mal d'encore ou tête. Je vais aller voir le code là pour que ça le mette dans mes objectifs, j'imagine. 52-12. Ça m'étonnerait que ça soit le même. Ah si. C'est complètement le même. Pas très sécurisé ça. Non, je peux pas partir, je commence tout juste. Ah mais je peux quitter la zone brisée. Ok. La boucle, cet endroit se serait effondré en deux jours. Du monde dans le coin. Quoi ces petites bulles, ça veut dire qu'ils peuvent nous capter? Brise les règles, pirate et prends tout. Gagne la partie. Charlie, j'ai implémenté le mode debug du mock si bizarre que t'es demandé un truc pareil. T'as la réputation d'être une légende, mais je m'inquiète un peu pour cette histoire d'antenne relais. C'est pas une faille de sécurité potentielle. Mais c'est toi le génie. Tu dis que c'est bon, ça me va. Ah oui, tant que j'ai pas le truc équipé, ça me... Pirate et prends tout. J'ai piraté mais je sais pas trop ce que ça fait. Je sais même pas ce que je viens de pirater en fait. Je pourrais pas passer là. Ça peut être une technique aussi pour les gens viennent. On va attendre qu'elle se retourne. Ah, putain de perte de temps. Bon, le truc c'est que là il y a deux mecs. Y a... Ah ouais. On peut voir ce que ça fait, mais... Book de rétroaction. Charlie Montag, vous a compris, le Moxie est trop addictif. Mais trop de fun égale trop de joueurs égale des défis bondés égale des chouineries sans fin dans les commentaires. À partir de dorénavant, le Moxie sera sur réservation uniquement. Vous êtes content? J'entends déjà les femmes endurcir, pleurer, mais le multijoueur à l'ancienne. Vous en faites pas mes amis mal lavés. Le Moxie restera ouvert à tout l'après-midi. Alors foncez, lâchez-vous. Et ne venez plus vous plaindre que Charlie Montag n'a jamais rien fait pour vous. Le Moxie ouvert à tous pendant l'après-midi. Et du coup là je vais être obligé de faire du bruit quoi. Attends, faut voir si je pirate ça.
Ok, il le capte, les deux. Pas si je suis assez bien caché, mais... Ah, ça en a fait bouger qu'un. Ça en fait bouger qu'une. Qu'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de... Ils s'alertent pas entre eux sur les corps, quoi. Ça, c'est pas mal. Coup de machette, là. Oh. J'avais envie d'un peu de sang. Ok. Ici quand même. J'ai lâché la bouteille, elle s'est pas brisée heureusement. Faire venir jusqu'ici ou pas? Oh, hein? Eh oh! Ah merde. Parfois il est plus facile d'éviter un combat que d'en déclencher un, explorer Black Reef incognito. En appuyant sur CTRL. Rangez-vous en appuyant sur A, ok, faire du bruit en tirant des coups de feu ou en courant par exemple peut attirer l'attention des éternalistes même à une certaine distance. La vigilance des éternalistes est affichée sous la forme d'une icône au-dessus de leur tête. Vous en avez compris, les éternalistes peuvent prévenir les autres de votre présence dans la zone et certains vont même appeler des renforts. Cependant, le programme Aeron n'a pas misé sur des personnes ayant de longues capacités de concentration. Si des ennemis sont en alerte, essayez de partir et de vous cacher. Si vous restez à couvert pendant quelques temps, les éternalistes se désintéresseront de vous et iront faire autre chose. Ok. Ok, les autres approchent. Il y en a un seul qui approche sur les deux, je crois. J'aurais dû monter déjà tout à l'heure. Ça me rappelle cette fois... Déjà. On se la joue discret mais pas trop quoi. C'est discret vite fait. J'ai l'impression qu'il y a un petit timing à avoir quand même. Ah, est-ce que je peux prendre son arme? J'ai un Pepper Mill. Okay. Intéressant. Alors qu'est-ce que c'est que cette merde? Capteur. Il y en a aussi là-bas. Oh bah la discrétion là. Quoique.
Je crois que la discrétion elle va aller sur foutre. Place d'Orsay, premier étage. Faire des amis pour apprendre, pas comme d'autres. Ok. Merde. Prends la hauteur. Trouve un autre moyen. Construit pour durer, ton cul. Sans la boucle, cet endroit se serait effondré en deux jours. Il y a un peu de monde par ici. Ah non, c'est des statues ou c'est des vrais gens? Pourquoi ça m'enlève tout mes... Non, ça doit être des statues, ça, en fait. Ça m'a enlevé tous mes autres trucs. T'es sceptique, grosse tête. Oh, hein? Il va m'embêter, lui. Pas une bouteille dans le coin pour lui. J'étais pas d'humeur à méditer tout ça. Wing, wing, wing. Y a pas de bouteille. Une part de moi a toujours été là. Ils sont tous de dos là. Fossoyeur vos pattes. Remplacez la main droite. J'ai déjà ça, c'est ça? Sans la boucle, cet endroit se serait effondré en deux jours. C'est le pompe. J'ai vu quelqu'un. Est-ce que je peux le tuer avant qu'il me voit ou pas? La réponse est oui. Attention devant. Station pour munitions distribuées. Non, ça va. C'est gratos. Pas Colt. Oh oh. Oh, tu m'as pas vu. Ok. On peut quand même les assassiner même s'ils nous ont vus. C'est vraiment pas mal pour le coup. Merde, il y a peut-être une autre entrée. On appart. Grosse tête. Il y a quelqu'un qui arrive là. Ouais. Essaie de passer. Ok. On peut ouvrir et fermer les portes. Marrant. Est-ce qu'elle va venir ouvrir la porte du coup? Bah. Elle en a rien à foutre. C'est quoi ces trucs là qui sont glitchés? Quelqu'un derrière la porte. Wing, wing. Tout entière, partie 2. Quel est mon livre, ma chanson ou pièce préférée? On n'a pas trouvé la partie 1. En
mets la chanson de Frank et Charlie. Tout le monde sera content. Qu'est-ce que je devais absolument apporter à Black Reef? Que n'ai-je pas apporté? Vos matériaux de construction, vos armes, vos butins de paniers garnis. J'ai des sédatifs, des stimulants, des grands 8. J'ai ton trip, ton sucre, ta neige, ta cam, ton nirvana. Une corne d'abondance prismatique à mélanger, comme la peinture. Oh, une amélioration du de la mitrailleuse. Les projecteurs ne sont rien d'autre. Qualité de l'arme, la qualité des équipements est variable. Un équipement de qualité vaut toujours mieux qu'un équipement médiocre. Ne passez pas à côté de la bonne. Il voit, mais le plus souvent, il est aussi mieux qu'une carpe. Ouais. Sympa. Alors du coup, j'ai un truc à faire avec ça ou pas là? Faut y désactiver, faut que j'y pète. Il faut que je fasse. Merde. J'ai alerté quelqu'un du coup. Juste que je suis bloquable en fait. Imagine. Sérieux? Faut vraiment que je parle. Oh. Rien à faire avec ça en fait. Ah si, ok. Bon, j'ai pris des dégâts quoi. Ça arrive. Je suis pas sur Black Reef pour perdre du temps. Quelqu'un d'autre peut se charger de ça. Dommage qu'il ait pas entendu la porte. Rapière. Ah, c'est un sniper? Non, ça a pas l'air d'être un sniper. C'est plus une carabine. De feux d'artifice. Fireworks. Pas besoin. Prends qu'en version originale partir. Est-ce que j'organise mon temps? Pétard. Ah. C'est la moitié de la victoire, chérie. Ensuite, c'est un pied devant l'autre. Comme tout le monde. Quel est mon plus grand rêve? Quoi? Rien, je l'ai lâché sur moi. Oh le con. On amasse une ou deux casseroles. Oui, c'est comme les bouteilles en fait. Donc j'ai une armoire pleine de regrets. Je tourne la clé, j'y touche plus, j'y pense plus. Quand est-ce que j'ai réalisé que je possédais une grande vision? Je suppose que c'était l'air de je sais plus, mais j'ai fait ce petit kick quand je commençais juste un bar miteux dans une ville miteuse. Pas vraiment un public, non, mais les gens qui étaient là. Oh, mais ça fait trop mal ça. Tu vois, ils dansaient, ouais, mais ils pleuraient aussi. Ils passaient par toute cette putain de gamme d'émotions. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai su qu'on était bon. Question d'utilisateur Blacksmith auto, lecture seule. Message privé, Franck invité, nouveau message. Eh hey, mon pote, t'as récupéré tous les pétards fusés et autres claque-doigts, je m'attends pas à une réponse. Seuls les visionnaires peuvent envoyer des messages sur ces merdes, enfin bref. Tu es ton premier lot, cette nana de la baie, Elena l'a mis sous clé derrière le tabernacle d'Ariette. Ça a l'air trop bien mon pote, mais on n'a même pas effleuré ce à quoi je pensais en matière de spectacle explosif. Pur, les grandes premières, il n'y en a qu'une si tu vois ce que je veux dire. Je veux que ce ciel soit un tapis de bombes, que les oreilles saignent mon pote. Qu'on fasse fondre des cornets de ce glorieux brasier incandescent. Enfin bref,
fais en sorte que ta petite usine d'artifice continue à usiner, puis planque tout dans ce container. Je suppose qu'il va falloir... Il va te falloir le code, je vais bien dégoter quelque chose, je te recontacte vers midi, Franck terminé. Faudra revenir lire les messages à midi. J'imagine. Dans la bête car là. Ah merde, mais ils sont deux. Construit pour durer, mon œil. La boucle, cet endroit se serait effondré en deux jours. Oups. Je crois que j'ai un peu loupé. C'est que ça fait énormément de bruit quoi. Sortie rapide. Il y a d'avoir pas mal de trucs à visiter hein. Y a personne. Et on ne peut pas détruire les portes. On peut utiliser les fenêtres. Secours, je peux pas aller plus haut. Je vais aller plus haut. Attends, qu'est-ce qu'il disait la sortie rapide? Rapide, comment ça? Si je veux me pouer, là, je peux pas monter là. Mais si, mais putain, j'ai le double saut. J'avais complètement oublié. J'avais oublié que j'ai le double saut en pouvoir. Bordel, ok. Tout un espace là-bas. Faire de ces trucs. Breloque d'armes grossières. Hein? Pas besoin de munitions. Des balles, pas des livres. Qu'est-ce que c'est? C'est un mec électrique. Ah, il y a du monde là-dedans. La bibliothèque renferme une énorme puissance de feu. Je ferais bien. Je ferais bien d'aller jeter un œil, j'imagine. D'accord. Pas là pour faire entre nous. Commence à avoir des trucs sur les cartes. Fais quelque chose après. On pourrait peut-être faire un peu. Non, mais faut que tu t'inquiète pas, je vois. Il va y avoir du gravier. Vous prie de prendre. T'as déjà vendu des fringues pendant les soldes. Non. Direct depuis la tour. Quoi? Il va venir ou pas?
Bon, c'était amusant. Il y a tellement de bruit de pas juste au-dessus de moi que j'arrive pas à capter. C'est pas, je trouve qu'il fait plus froid. Pas. On peut brouiller leur radio. T'as vu quelque chose? Protocole de préservation de la boucle. Je m'occupe vos problèmes, d'accord? Déployer, porter, maintenir allumé. J'aurais dû maintenir l'autre. J'aurais dû déployer l'autre. J'ai répondu à un appel venant de plus haut. Attendez bien de me voir. Ça. J'ai pas raqué une blinde pour me retrouver à devoir faire ça. Non. Pareil à chaque boucle. Non. Je veux pas passer l'éternité à courir en bricole. Pourquoi Harriet et elle s'entendent pas? Ah, et puis le moment où il allait se retourner. Tribunal. Je le pète ça. Et je vais alerter absolument tout le monde. C'est un peu ça mon sous là. J'imagine qu'on peut faire un peu. Je te dirai. Pourquoi? Ça me rappelle cette fois. Tiens, ça déjà? On entend presque. Sceptique, grosse tête, essayez de sauter. Ouais. Ah, laisse tomber. Abandonne déjà. Pourquoi tu viens me parler? Tu devrais être en train de le chercher, comme moi. Exactement. Il y a du monde, hein. Bien d'accord. Génial. Non, il passe la boucle avec le dos en compote. Mais ça valait le coup. Pourquoi je viens ici, hein. Pas du tout mon objectif. C'est pas... Prends pas la douche. Prends de la drogue. Mais ça valait le coup. On se met pour durer. Sans la boucle, cet endroit se serait... On était censé faire une putain de teuf. Faut que je tire sur un truc. Ok. Un deuxième bleu, mais bon, c'est pas utile. Ah. Sceptique, grosse tête, esprit étriqué, inculte. J'ai pas raté une blague. Me traite la vie. Quoi? Comment elle m'a vu? Madame le débordement, ouvrez-moi! Comment j'ai été vu? Aïe. Aïe, je pensais. Vers les tourelles, vite! Aïe! Il y en a de partout! Je reviens tout de suite! Reprise, cette mystérieuse pièce de métal semble vous appartenir. Le module vous confère, blablabla. Si vous mourrez une troisième fois, là, ok, ça, on avait compris. Du coup, ça me met où? Ça me met juste avant l'entrée du bâtiment. Ok, munitions faibles. Ah, par contre, j'ai perdu toutes mes munitions. Ah, mes trucs, ils sont encore en train de les attaquer. Et du coup, est-ce que les ennemis ont réapparu ou pas? Non, je vais pas sauvegarder en fait au final.
Oh, c'est comme si ça avait sauvegardé. Ça c'était une bonne idée, mais bon. Pas énormément de balles, fais attention. Je suis en sécurité. En sécurité. Tu nous emportes tous dans le monde. Beaucoup de monde. Déjà vide. Un kamikaze. C'est le bordel. Aïe. Mais il y a combien de personnes dans ce bâtiment? C'est abusé. Où est-ce qu'il m'a mis? Il ne doit pas rester énormément de personnes là. Bordel. C'est pas comme ça que j'ai laissé le truc. Voilà que personnel exemplaire. C'est quelqu'un à toucher à ce. Qui a touché à ça? Du coup la tourelle elle s'est activée. Mais du coup il savent où je suis. Bizarre ça quand même. C'est quand même bizarre trop. Grenade de balles. Un mec dehors qui a entendu. On dirait que c'est mon tour. Mais c'est moi ça. C'est moi mais mort. C'est une de mes itérations. Eh ben bordel. Ça rigole zéro de se faire voir dans ce jeu, putain. Ça rigole vraiment zéro. Faut que je me trouve du heal moi maintenant. C'est mon autre itération. Zabi. Bon, au moins on sait que du coup quand tu pirates un truc c'est ad vitam aeternam.
dans la même boucle. Si c'est... Fossoyeur vos pattes. En bleu. Nickel ça. Encore un truc éthéré. C'est bizarre que... Il y a autant de trucs éthérés mais que... Que je sache pas quoi en faire quoi. Tribunal. Un péteux. Prendre hein. Arme double. Cole peut manier une arme dans chaque main pour gagner en puissance de feu, mais perdez toute capacité d'accès au mode visé. Si vous tenez une arme à feu ou la machette dans la main droite, appuyez sur 5 pour équiper une autre arme à feu dans la main gauche. Ok. Ah. Du heals. Des gens, j'entends quelqu'un encore, mais je sais pas où il est. Le mec qui a l'air de s'acharner sur quelque chose. Attends, mais il y avait un code là, non? Elle a dit un code. M13 10 H26. Je vais jamais le retenir, dommage. Il y a tellement de trucs ici. C'est un petit délire. Rapière. Ça c'est quoi le mieux? Pas vraiment de stats pour ça. Ouais, ça tire plus loin quoi la rapière. Ouh. Ah mais d'accord, c'est les mecs dehors. Ils n'ont pas du tout entendu ce qui s'est passé ici bien évidemment. Oh, une MG1. Oh putain, y'a que des armes bleues là, mais je peux pas tout prendre. Je dois faire un choix. Je dois faire un choix, moi. Une arme violette. PT6 Spiker. Infligé des dégâts supplémentaires aux ennemis marqués. Ah, c'est ça le lance-clou. Pas beaucoup de balles. Breloque personnelle élégante.
Let's go. Ça a rien, ça. Ok, bon, bah, il y a des trucs, il y a pas mal de trucs cachés, quoi, dans les bâtiments. Mais le problème, c'est que je me suis mis un petit peu dans la sauce, quoi. Donc, je n'ai plus de... Il n'y a plus de boucle disponible. Hein. J'imagine que le bip il se fait entendre des ennemis à chaque fois. Ils sont proches. Le canon. Du coup, je suis vachement lent dans l'exécution, hein, mais bon. Tant pis, hein. Ce qu'il y a au niveau de la double porte. Beaucoup de livres. Ok, c'est juste un accès ici. Ok, moi je pense qu'on a fait le tour du bat. C'était un gros tour. Bombe cette merde. Je me sens parfaitement bien. Oula, ça pue un peu, non? Ça c'est. J'ai peur. Ah mais c'est de la... de la drogue. J'imagine que ça doit changer ce que ça dégage, mais bon. J'ai pas trop la ref là de si je suis censé comprendre un truc.
peut-être censé te donner le code, mais j'avoue, là, je sais pas trop. Est-ce qu'il reste des gens ou est-ce que j'ai tué tout le monde ici, moi? C'est ça y est. C'est censé être chez moi ici. Ah, enfin. C'est étroit. Je suis chez WAM. Encore un putain de code. Encore un putain de code. C'est full barricadé chez moi. On t'a aimé autrefois. N'oubliera jamais. Ou pas bière. Prologue personnel élégante. Bienvenue dans le programme. Salut, je parie que tu ne t'y attendais pas, mais Franck s'occupe bien de ses amis. Je me fiche que tu sois militaire, je peux pas laisser une boule de naphtaline sans dents comme toi pioncer sur la plage comme si c'était le siège d'Avrilade. Mon père y était aussi, tu sais, il m'a raconté de ses histoires. Il disait que vous bouffiez vos pompes. Enfin bref, profite bien de la vue, capitaine. C'est du niveau platine à 110% et tout ça t'appartient. Tu méritais bien mieux encore, tu seras toujours bienvenu au Rocher Colt, ton pote Franck. PS, Dorsey commence à nous casser les oreilles, trouve-nous une bombe à balancer par-dessus un mur. C'est qui ce Franck? Les clous. Il reste encore les gens là-bas. Je sais pas si je peux l'avoir avec ma super arme. C'est ouvert là. De toute façon, ils peuvent pas venir me chercher là. J'espère que c'était pas Colt. Eh oh. Oh, j'espère que c'était pas Colt. Quelqu'un s'est fait buter. Allez. Ah non, le clou. Je peux pas. Hein? Quoi? Qu'est-ce que... Ils peuvent rien faire. C'est dommage pour eux. J'espère que c'était pas Colt. J'espère que c'était pas Colt. C'est dommage, hein. Finalement, elle redescend. Oh, j'espère que c'était pas Colt. Ah si, c'est moi. Coucou, je suis là. Vous me voyez pas? Oh, what the fuck? Bah, ok. Sympa. Y avait des boîtes de clous, non, dans le coin? Oui, là. Non. Non, là, y a des balles. Cold. Je gère pas. Je suis en train de pisser quoi. Là des clous, boum. Des 6 spikers, on a mieux. Alors les messages. Quels sont-ils? Waouh. Joli. N'abandonne pas, Laila, note manuscrite. Okay. N'abandonne pas. Pas question. Alors, conversation du groupe temporaire matin. Archiviste performante. Bonjour à tous, Colt a décidé de briser la boucle. Pourquoi il ferait une connerie pareille? Un effet inattendu de l'anomalie sur son système cognitif? Peu importe la raison, il nous met tous en danger, alors agissez intelligemment, ou du moins essayez. Va te faire foutre, Juliana, qui t'a fait chef de la sécurité? Haha, ça c'est Alexis, chiale encore plus fort. Il serait temps de retrouver l'autre moitié de ton cerveau, tête de cul. J'ai un plan pour lui, laissez parler les adultes. Protégez-vous, c'est tout. Quoi qu'il arrive, nous devons survivre. Mais on ne devrait pas être à sa poursuite. L'attraper, l'étudier. Ouais, détends-toi, c'est que Colt. Le PBB est toujours notre salut. Colt peut lire tout ça. En lettres lumineuses sur fond noir. Plus pour longtemps. Utilisateur, Colt tout court, supprimé de la discussion collective temporaire. Session d'utilisateur suspendue. Contactez Charlie Montag pour plus d'informations. Merde, ces mecs sont acherbés. Message privé, Colt, Juliana, nouveau message. T'es encore debout? J'écoute un disque, je suis nerveuse. Pour minuit, tu iras bien, je l'ai déjà fait, je te rappelle. Notre capitaine badass. Je reviens tout juste du complexe. Vraiment?
Ça fait tout ce chemin à pied en passant par les tunnels. On a des voitures, tu sais. J'ai vérifié le centre de contrôle. C'est cool, pas vrai? Tu t'es bien débrouillé en dépit de nos ressources limitées. Je suis impressionné. Serait-ce un compliment? Un authentique compliment de ta part? Je complimente les gens tout le temps. Chaque seconde de chaque jour. C'est incroyable qu'en dépit de l'infrastructure, toute la boucle a été lancée à partir de cette salle de contrôle. Trop de puissance entre trop peu de mains. Dans la main d'une seule personne, en fait. Je ne te suis pas. Oublie. Aeon fait ça correctement. Je suis sûr que nous trouverons tout ce que nous cherchons. Bonne nuit, Juliana. Bonne nuit, Colt. Moi, je complimente tout le temps les gens. La boucle est gérée à partir d'une salle de contrôle. Trop facile. Vous avez gagné un super cadeau. Je le savais, putain. Pauvre con, va. Personne n'a touché à ton minicom à part toi. Dis bonjour au dératiseur. Des rencontres torrides à chaque boucle. Vous savez, putain, pauvre con, nanana. Dis bonjour à ton dératiseur. On avait terminé avec Updam pour le moment. Prochaine étape, le complexe. Vous pouvez continuer l'exploration ou rejoindre directement la sortie. Vous aurez de nombreuses occasions de revenir à Updam plus tard, alors ne vous forcez pas à en explorer les moindres recoins pour le moment. Oups. Si vous mourrez avant d'avoir quitté le quartier, Colt recommencera une nouvelle boucle, perdant ainsi les armes ou breloques récupérées. Depuis votre arrivée à Updam, Colt a toutefois appris tout ce qu'il devait savoir ici. Vous retrouverez donc directement devant votre prochain objectif, le complexe. Ah, ok. Tu te fous de ma gueule ? Y'a quelqu'un, place d'Orsay ? Alors tiens-lui dans les couilles et que ça saute ! Tiens-lui dans les couilles ! Voilà pourquoi il ne faut pas ouvrir les spams. Moi, j'imagine qu'on reviendra plus tard pour récupérer les trucs qu'on peut pas. Ils adorent ce lien. Oh oh. Ah mais c'est con, ils peuvent pas... Ils peuvent pas venir me chercher en fait. Ils me tirent même pas dessus. J'ai l'avantage. Déjà réglé leur compte ici. C'est marrant que tout le monde peut lire ça. J'étais pas passé par ici en fait. Faut pas aller jusque là en fait. Ok. Bon bah on va se barrer hein. On va pas forcer. Ça fait un moment qu'on est là. On va valider tout ce qu'on a eu parce qu'on a eu pas mal de trucs. Beaucoup de breloques et tout. C'est une aile serpente sous l'île tout entière. C'est mon ticket d'entrée dans le complexe. Ok. Bien sûr, mais les bouts, non, j'ai encore du pain sur la planche. Bon, on va quitter, hein. Ça fait un moment qu'on est là. Contrôle de la boucle, il doit bien y avoir un bouton pour mettre fin à ce cauchemar, il serait temps d'appuyer dessus. Ok. Sympathique. Sympathique. Même si gros bordel en vrai. Gros bordel avec... vous avez survécu. Dès que tu... dès que quelqu'un te capte dans un bâtiment, c'est un peu la merde. Content qu'on soit pas mort au final. Le complexe, c'est un centre de contrôle de la boucle, ça en jette et c'est bien pratique. Ah, parce que du coup, il y a masse. La bête Karl. D'ailleurs, des petits objectifs secondaires et tout là. Le reloque récupéré x6. Déplacez-vous. De plus en plus vite après chaque coup au corps à corps réussi. Votre réserve de santé augmente. Vos charges n'infligent pas de dégâts, mais marquent les ennemis avec concentration dans un plus grand rayon.
Vos charges n'infligent pas de dégâts. Quoi les charges? Les parce que je vois les dessins des grenades, ça veut dire que mes grenades elles infligent plus de dégâts. Mais elles marquent les ennemis avec concentration dans un plus grand rayon. Vous infligez moins de dégâts mais en subissez moins. Équipez et changez d'arme plus rapidement. Améliore légèrement la cadence de tir de vos armes. Ok. Ah donc là on change de timing. Quartier de Black Reef évolue au fil de la journée. Ici vous pouvez consulter les opportunités et secrets découverts dans le quartier pendant une période spécifique. Vous pouvez également savoir plus sur un visionnaire vulnérable fréquentant cette zone. Sélectionnez un objectif doté d'une icône de diamant pour lui accoler un repère. Okay. Sur Black Reef, le savoir est une arme. Cole se souvient de tout ce que vous découvrez sur l'île et ses découvertes sont enregistrées ici. Les découvertes sont classées par période et district auxquels elles appartiennent. Sélectionnez une découverte marquée d'une icône de diamant pour activer un repère en jeu qui vous guidera jusqu'au sujet de la découverte. Pour les découvertes liées spécifiquement aux moyens de briser la boucle ou un équipement spécial, consultez le menu des pistes visionnaires ou le menu des pistes artisanales. Hop dame. Un éternaliste laissera la porte du garage du bureau des archives ouvrières dans l'après-midi. Et donc là, on sait à quelle période on peut faire les trucs. Les objectifs de, secondaires, quoi. Les découvertes. Par contre, ils ont dit qu'on peut mettre un repère, mais... ça fait rien du tout. Documents. C'est ici que vous pouvez consulter les documents que vous avez découverts. Les notes sont des pages écrites éparpillées un peu partout sur l'île. Les transcriptions sur cassette contiennent des enregistrements audio des habitants de Black Reef. Les journaux de Minicom contiennent bon nombre de communications informelles entre les dirigeants du programme Aeon. Le profil Aeon sont des entretiens avec les visionnaires assemblés par Juliana Blake, l'archiviste du programme. Pistes visionnaires. Les pistes constituent des informations cruciales de Black Reef, les clés pour vaincre les visionnaires et briser la boucle. Chaque piste offre des instructions par étape pour vaincre vos ennemis. Cole conserve les découvertes liées aux pistes d'une boucle à l'autre. En sélectionnant une piste, vous activez des repères vous conduisant vers votre objectif ainsi que des conseils supplémentaires sur l'écran de sélection des missions. Ok, c'est seulement ça qu'on peut mettre en suivi. La piste est suivie. Localisez les commandes de la boucle. Les complexes à un centre de contrôle de la boucle s'en jette et c'est bien pratique. Fouillez dans mes affaires. C'est ce que j'ai déjà fait, quoi. Ok. On va voir un petit coup notre équipement. Choisissez votre équipement ici parmi les armes modules et breloques collectées. Les armes se trouvent sur la gauche. Les gadgets et modules sur la droite. Mettez une arme ou un module en surbrillance et appuyez sur clic droit pour en savoir plus à ce sujet ou l'améliorer avec des breloques. Pour échanger une arme ou un module contre autre chose, sélectionnez-le pour voir ce que vous avez trouvé d'autre. Cole ne peut pas déséquiper reprise sa machette, ses charges, son fitel Akamajig. Cliquant sur Cole, vous pouvez également modifier son apparence avec des styles additionnels gagnés. Ah ouais ? On en a. Modifiez l'apparence de votre personnage. Vous débloquerez des nouveaux styles pour Colt et Juliana en améliorant votre niveau de chasse. En incarnant Juliana. Ah, donc faut jouer en ligne alors. Faut jouer en ligne pour débloquer des nouvelles tenues. Ah, tant pis, hein. Tant pis, on n'en aura pas, hein. Complètement dépourvu d'équipement. Choisissez une arme ou un module pour l'équiper. Mettez une arme ou un module en surbrillance. Y'a rien. Donc le spiker. On peut lui mettre 3 modules. 3 breloques. Consultez ici les caractéristiques de votre équipement. Équipez ou retirez des breloques de vos armes. Regardez de plus près en utilisant les commandes indiquées à l'écran pour zoomer, dézoomer ou faire pivoter votre équipement. Ça c'est mon lance-clou. Tendance à l'enrayage nul. Ah donc ça s'enraye jamais. Cool. Prise en main, main droite. Compatible avec les modes arme double. Et donc tu peux en équiper deux. Zéro breloque assigné. Équiper et changer d'arme plus rapidement. Améliore légèrement la cadence de tir de vos armes.
sont pas fafol les breloques pour l'instant. Ah mais du coup j'ai perdu la breloque. Vu que j'ai changé l'arme. J'ai plus mon ancienne breloque. Dommage. Faut bien faire attention à ça alors. Donc ça veut dire que il faudrait garder à chaque fois l'arme où t'as tes breloques dessus quoi. Tu veux pas les perdre. Chiant. C'est un peu relou ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a un million du coup. Déplacez-vous de plus en plus vite après chaque coup au corps à corps réussi. Foncez. Votre réserve de santé augmente. Vos charges n'infligent pas de dégâts. Vous infligez moins de dégâts mais en subissez moins. Oh non, ça m'intéresse pas. Ni lui, ni lui. Il y a des... il y en a des légendaires. Légendaires. Et du coup, comment je pense stocker plus? C'est ça que je comprends pas trop. Est-ce que ça, c'est ce que j'ai ramené, entre guillemets, à la maison? Parce que normalement, non, parce qu'il y aurait les autres aussi. Que j'avais ramené après l'introduction. Ou alors ça compte qu'à partir de maintenant. Ah non, parce qu'en fait, une fois que je les échange en jeu, c'est terminé en fait, je les ai plus. Et je peux pas les stocker? Changer, retirer. Genre là, elle est... Est-ce qu'elle est stockée du coup là, celle-ci? C'est-à-dire que oui, on va tenter, on va la stocker et... on verra ce qui se passe. Ok, des bisous sur YouTube, la VOD doit être très longue. Désolé pour ça, mais bon, c'est pas grave. Des bisous.